snow if the hypothermia wouldn't kill me. Bonjour et bienvenue, on se réveille. On va laisser le sac ici pour le moment. On se réveille, fait un peu froid. On va boire. Le dernier épisode faisait 1h20 quand j'avais fini d'éditer. J'avais pas vraiment fait trop attention au temps apparemment. Il faisait 1h20, puis après j'ai décidé de le couper en deux, de 40 minutes du coup. Donc voilà, c'est pour ça que l'épisode se coupe un peu en plein milieu. Mais ouais, je préfère avoir des épisodes en dessous des... en dessous de l'heure en fait, pour The Long Dark. Voilà, je voulais préciser ça. Donc ce qu'on va faire, on est à 43 kilos. Ce qu'on va faire, on va un peu explorer. Attends, c'est toi que j'ai vu? Ou non, c'est moi. Ah ok, il est là. On va explorer, on va d'abord se faire lui. Ok, très bien. On va se faire lui. Ok, très bien. On va fermer. Et on va explorer cette zone. La dernière fois j'avais dit que je voulais un peu explorer ici. Ce qui est un peu embêtant c'est qu'il fait froid comme j'ai dit. Donc ça c'est... On va pas trop rester à l'extérieur. Mais le problème c'est qu'on n'a pas grand chose à explorer à l'intérieur. Parce que beaucoup de portes sont fermées et tout ça. Encore une fois on peut repasser par les souterrains. Je vais prendre de la hauteur comme ça on verra quelque chose. On peut repasser par les souterrains. Et voir si on n'a pas des bifurcations et tout ça qu'on a loupé. On peut faire ça. Ouh, il y a un passage à gauche, je crois. C'est embêtant qu'il fasse un peu froid, en fait. J'aurais bien voulu dessiner là. Donc là, ça n'a pas l'air d'être praticable, rien du tout. Je pense même pas qu'on puisse aller genre au-dessus. Je pense même pas qu'il y ait des... Il y a des emplacements en fait au-dessus. On commence aussi à prendre du bois hein, pour faire des petites réserves. Parce qu'il faut qu'on fasse des réserves. Je vais voir, ouais, elle a un peu froid. Pas beaucoup de champignons apparemment. Enfin après, autour du camp. Ok, donc là il y a un trou. Attends, nous on était passé par là. Ouais, on est passé par là. Et on n'a pas exploré ce côté-là. Ok. Je me rappelle avoir vu un loup. Alors attendez, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on est... On dépasse hauteur périmètre. Ok, on peut pas passer. On dépasse le poids, donc on va faire ça. De toute façon, on en a encore pendant un moment à explorer... Il est où? Le compartiment, il est là. Ok, est-ce qu'il peut passer? Ok, là non. Ça c'était le loup qu'on avait vu de ce côté-là. Ah, on peut fermer la porte. Attends, j'aime pas trop ça. Ouais, tu m'embêtes un peu. Il trouve pas ce chemin-là, en fait. Non, attends, on va fermer pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, il n'y a rien. Ouais, on va devoir y aller. C'est embêtant parce qu'il est juste au bord, en fait. Je sens qu'on va se faire choper. Rien. Il revient, je crois. Ok, bien.
Ok, bien, bien, bien. Là, ça a dû être un bon coup critique, ça. Ça a dû être un très, très bon coup critique. C'est là, on l'a en plein dans l'estomac, en gros. Donc, c'est pas mal. Il n'y a rien. Je commence à avoir froid aux miches. Ouais, c'est là qu'on le voyait d'ici. Ok. Ah, c'est quoi ça? Une corde. Bah, pourquoi pas. Ça, par exemple, les cordes, là, les petites cordes comme ça. Alors, c'est pas beaucoup, mais à chaque fois, ça fatigue énormément. Et c'est vrai que nous, comme j'avais dit la dernière fois, le fait d'avoir les crampons, en fait, c'est comme si on faisait rien, quoi. C'est comme si on perdait strictement rien en endurance. Donc ça, c'est vraiment cool pour nous. Parce que rien que ça, à chaque fois que vous restez sur une corde, ça part très très vite. Hein. Sans les crampons. Bon, on va pouvoir rentrer à un moment où... J'aurais dû prendre plus de viande sur moi. Bon, c'est pas grave, on sait où aller de toute façon. Mais ouais, j'aurais dû prendre de la viande sur moi. Il n'y a rien. Ouh, c'est bon, on est à l'intérieur. Oh, la vache. C'est noir de chez noir. Là, c'est pas la... C'est pas la capture qui a merdé ou quoi que ce soit, hein. C'est que... Ouais, non, c'est mal codé, là, par contre. Ah là là, Interland, à chaque fois... Je vous ai dit, Interland, testez vos trucs, je sais que... Oh, c'est où, ça? Le développeur m'a... Quand, à un moment, j'ai parlé du fait que... En prison de Blackrock et nouveau lieu. Ok, je vois rien du tout, on ressort. J'avais en fait montré des bugs et tout ça que j'ai découvert genre au bout d'une heure. Et j'ai tweeté, j'ai dit est-ce que vous testez... Enfin, je sais plus exactement ma phrase, bon, elle était plus gentille que ce que je vais vous dire là maintenant. Elle était un peu mieux tournée. Mais en gros, c'était est-ce que vous testez vos jeux, quoi, en gros, avant de les sortir. Enfin, est-ce que vous testez vos mises à jour et tout ça avant de les sortir. Un des développeurs en chef de The Long Dark m'a dit on fait tous les tests et tout ça. Mais ouais, mais... Enfin, ouais, je veux bien vous croire, hein, mais bon... Hein. Après, j'ai envie de dire, il n'y aurait pas de mise à jour à chaque fois que vous sortez quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a souvent des mises à jour, en fait, genre quelques jours après. Et là, on a vu déjà deux bugs, je crois. Dans le dernier épisode, on avait les escaliers qui disparaissaient. C'était pas mal, ça. Et là, maintenant, on a ça, genre, il n'y a pas de hitbox, en fait, pour la lumière. Genre, en gros, il n'y a rien qui est éclairé. Mais on va retourner fouiller le... L'emplacement, je vais utiliser la lampe. Comme ça, on va fouiller. Ouais, y'a rien. On a un lit, on peut dormir, ce qui est bien. Ah, les toilettes. On va prendre l'eau. On va faire ça. Le tissu aussi, parce qu'il n'y en a pas énormément au final. On n'a pas de... Il n'y a pas de rideau en fait à chaque fois. Il n'y a jamais de rideau. Donc on a juste des... genre des serviettes, des trucs comme ça. Donc il va falloir quand même qu'on fasse un petit... un petit coin pour des tissus. Ouais. Pas... Ouais, non, on a fait le tour, là. Enfin, c'est sympathique. En fait, faut bien choisir où vivre, parce que... Il y a des endroits qui sont vraiment pas du tout praticables. Ou, genre, c'est tout bloqué, tout enfermé. Donc, du coup, on peut rien voir. On peut accéder à rien. Donc, je vais voir un peu si on allume. Ouais, si on allume, ça marche. C'est pas noir, quoi. Après, c'est pas très grave, hein, mais je préfère quand même qu'on voie quelque chose. Ah,
On est à la recherche de quoi exactement? Honnêtement, un peu de tout. Enfin, on s'en fout en fait. On n'a pas vraiment de but bien précis. Comme j'ai dit, on est déjà très bien équipé, donc on est vraiment là pour pure exploration en fait. À part les objets uniques de la nouvelle zone, quoi, à part ça. Cool. Du thé, ça c'est bien. Du thé qu'on n'utilise jamais au final. Bon. Ouais. Hop là. Ça devient noir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne récupérer de la viande. Et après, et on revient ici, on explore un peu plus. On peut faire ça. Ah, quoique, on n'est pas dans le rouge. On n'est pas dans le rouge. À la limite, quand on sera vraiment genre mort de faim, on le fera. Mais j'ai envie de continuer l'exploration pour le moment. De toute façon, on sait où c'est pas très compliqué, il n'y a pas de danger genre à revenir. Donc il n'y a aucun problème quoi. S'il y avait au moins du danger et tout ça, qu'il fallait, ça me prenait du temps. Oula, une sorte de petit freeze. Si ça prenait du temps, d'accord, mais bon. Ça va, donc on continue. Bandage, antibiotiques, c'est toujours bien. Je me demande si on peut... Étagère, ça non, porte en métal... Je me demande si on peut ouvrir la porte en déblayant les choses. Parce qu'on peut casser la plupart des choses en fait, on peut casser... Alors, la planche en bois, la porte là, enfin ça c'est une table plutôt, non on peut pas... La planche, oui. La porte en métal, oui. L'étagère, oui. Après, il resterait quand même des trucs devant, ouais, je pense pas. Il n'y a jamais eu de mécanique comme ça dans The Long Dark, donc ça m'étonnerait qu'ils aient rajouté ça. Ça, c'est le bordel. Il y a de la lumière ici, ou pas? Non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment grand chose. Ah! Oh non, je suis bloqué. Mmh. Là derrière, il n'y a rien. Ça, on a fouillé. On peut avancer. Attends, c'était quoi, placard? Ah, étagère. Ah, on peut passer par là. On a des livres, on s'en fiche. Je me demande si l'ascenseur peut s'activer. Oh! Ah, c'est parce qu'il a zéro. On peut l'utiliser... Merde. Non, c'est pas ça. Non, on peut plus. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ouais, donc quand... ouais, on a trouvé un... un sac, mais il a zéro. Du coup, on peut pas du tout l'utiliser. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Alors, j'ai du mal à croire qu'on nous envoie des nouveaux prisonniers cette semaine, sans même parler du fait qu'on est en hiver. Apparemment, le directeur va rouvrir le bloc C, et c'est qui va de... Quoi? Et c'est qui va devoir s'occuper de l'approvisionnement de toutes ces cellules. C'est Bibi. Je n'aurais jamais dû venir ici, je sais que j'avais des dettes, mais ça, ce n'est pas une vie, je compte les jours, c'est tout. Heureusement, il y a le Timberwolf. Même avec la tempête qui arrive, j'ai hâte d'essayer à nouveau d'atteindre le sommet. D'accord. Le mec, il est allé s'amuser
s'amuser au Mont Timberwolf, j'imagine. Oh, ça. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Ça va, c'est pas trop sombre pour le moment. Attendez, on va reprendre la lampe. Ok, donc là c'est derrière le barricade, là on peut pas. Attends, est-ce qu'il y a un écriteau, un panneau? Non. Genre on sait pas où on va. Ouh, c'est des cellules. Restricted area, ok. Mon dieu, mais c'est qui qui a... c'est qui a construit ça? Super mal fait. Alors c'est grand, c'est tordu et tout, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens que ça soit comme ça. Bon bah c'est bien au final, on est ce que j'avais dit qu'il faisait froid. Donc du coup je voulais pas trop rester à l'extérieur, bah voilà, on a trouvé plein de trucs à explorer encore. Je me demande si ça se met en route, parce que c'est trop bien fait en fait, les mécanismes là. Pour ne pas bouger quand il y a une aurore boréale, vous voyez. Faudrait voir. Un jour que si on se réveille un peu la nuit et tout ça, ou alors qu'on commence à plus jouer la nuit que le jour, on essaiera d'attendre une aurore boréale pour voir si tout devient vivant, en gros. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'électricité en fait. Enfin, beaucoup de choses électriques comparées aux autres zones. Là, on a toute une prison. Alors, attends. Je suis content qu'on ait une lampe, quand même. Hein. Je suis bien content qu'on ait trouvé une lampe. Par contre, je serais pas contre... un peu plus de carburant à la limite. Je dirais pas non. Il y a un autre chemin ou... Ouais. Oula, je crois. Ah oui. Mon dieu. Alors là c'est les trois par contre. Là, c'est un peu étroit. Faut que je fasse attention à mes calories aussi. Enfin, après, on a toujours les... On a toujours les massettes sur nous. Oui, ça va. On a toujours les massettes. Il fait nuit ou pas? Oh, ça va. Je vais un peu économiser la lampe, hein. Je sais que c'est un peu sombre, mais ça va. C'est pas trop sombre. Ah ! Attends. Ok. Une note. Ouh, une note ensanglantée. On est entré dans la réserve, il y avait des tas de choses, plus que ce à quoi on s'attendait. Vu l'état dans lequel c'était, les choses ont dû drôlement mal tourner. Et je ne crois pas qu'on était les premiers à passer par là. Je vais refaire tout le tour de la zone, histoire d'être sûr, et essayer de voir si tu ne peux pas trouver autre chose. J'y. Non, ça c'est une radio, on peut rien faire avec. De la poudre à canon. Ouh, un stimulant, ça c'est bon ça. De la poudre à canon.
Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est... Ouais, c'est de la lumière. À la limite de la lumière. À la limite, c'est... ça serait tout ce qui peut être utilisé comme lumière. On est à combien? On est à 50 kilos. Oh. Quelqu'un qui a été attaché et tapé à mort, j'imagine. Oh. Oh! Blackrock, gilet pare-balles. Attendez, faut que je prenne... Ça va être notre... attendez. Ça va être notre miniature, hein? Attendez, une seconde, faut bien la faire. Voilà. Il faut pas Je sais plus ce que c'est la touche pour faire des screenshots sans le HUD. F10. Je crois que c'est F10. Voilà. Parfait. Ah, très bien. Désolé. Bah, faut bien que ça soit stylé, hein, non, aussi. Hein. Faut bien que ça soit stylé. This stuff will come in handy. Donc, gilet pare-balles, équipement utilisé par les forces de l'ordre, où il protège très bien, mais pèse très lourd. Inutile de songer à faire la course en le portant. 6 kilos. Ah, il doit faire au moins 5 kilos, je dirais, si on le porte. Vous savez que quand on porte les choses, c'est un peu moins lourd. Alors, on va le prendre. Ah ouais. Ouais, on commence là, on commence. On commence à être lourd. On va pouvoir rentrer. Bon bah j'imagine que c'est un cul-de-sac. Oui c'est vrai que... Oui, toilette. Il y a quoi dedans? Voilà. Bon bah je crois qu'on a trouvé... On a fouillé le cadavre hein. Ok. Là on peut même plus sprinter. Ouais non là on a trop là sur... Mais bon on peut pas vraiment enlever les choses. On peut pas vraiment enlever les choses. Fais voir un peu. Peut-être qu'on peut réduire. Alors du coup... Ah c'est un accessoire. Donc ça c'est quoi? C'est combien? 0,5. Donc, portée, ça fait protection 50%. Ah ouais, c'est pas mal. Protection, on est à 82. C'est pas mal. Et là, on est à 56 kilos. Alors que si je le porte pas... 58. Ouais. Vous voyez, on gagne un peu. Bon, on peut toujours pas sprinter, mais... Avantage, blindage. Oui, parce qu'on a fait que l'enlever, le remettre, et du coup... du coup, le jeu va nous bassiner. Du coup, on a tout vu, hein. On va rentrer, hein, tout simplement. Je vais le faire un peu dans la nuit pour économiser la lampe. De toute façon, c'est juste le chemin inverse, hein. C'est pas très... Vous ratez rien. Vous ratez strictement rien. On va regarder ce que ça fait blindage. Genre la description. Alors, blindage. Vous disposez d'un blindage et par balle vous octroie une protection physique exceptionnelle. Ok. Ok, ok, ok. Je me demande si on peut le réparer. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Alors c'est peut-être parce qu'il est à 100%, mais... Je sais pas. On peut même pas le détruire. Alors attends, est-ce que c'est parce que je le porte? Non, non, c'est pareil. Ok.
là par contre je vois rien du tout. Alors à quoi ça va nous servir le gilet pare-balles? Genre pour nous, pour notre façon de jouer. Honnêtement, on peut vivre sans. On a fouillé ça? Ouais. Genre, on peut vivre complètement sans, en fait. Ça va pas vraiment nous changer grand-chose. Par contre, si on veut un peu l'utiliser pour faire genre... ce que je pourrais faire, c'est... Genre, si par exemple on est en intérieur et qu'on, comme ça là, on fouille en fait les endroits de l'intérieur, à la limite on peut sortir genre sans trop d'équipement. Et du coup, on met genre le gilet pare-balles et par exemple... je sais pas trop en fait. Genre un vêtement de loup, d'ours. Genre juste un seul, parce qu'on en a deux. On met un vêtement d'ours, déjà ça nous fera un peu moins lourd. Ouais. On prend pas les crampons. Vous voyez, on peut peut-être faire ça à la limite. Se faire une sorte de deuxième équipement. Pour... on va rentrer par contre. Vous voyez, pour... parce que si on reste en intérieur... Et en plus honnêtement, il fait pas très froid ici à chaque fois. Un degré... Genre là, ça protège du vent ou ça protège de que dalle en fait. C'est vraiment pour la défense. Quoi. Genre si je fais ça. Moins 4, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, hein, moins 4. Surtout si on va souvent dans les bâtiments en fait. Donc j'ai envie de dire... ouais, on peut faire ça. Parce que après, si on le garde sur nous, le gilet pare-balles, et genre on le met, genre par exemple quand on combat un ours et tout ça, ça fait quand même très très lourd. Hein. C'est quand même 6 kilos à se trimballer en plus à chaque fois, c'est quand même méga méga lourd. Donc ouais. Il va falloir que je réfléchisse un peu pour l'équipement, parce qu'on peut pas se trimballer autant d'équipement tout le temps. Oh yes, on est en surcharge, j'avais complètement oublié ça. Bien vu, Johnny. On va faire deux allers-retours. J'ai pas envie de laisser le blindage ici. Alors, fais voir. 52. Ah ouais, quand même, attends, on est lourd de chez lourd en fait. Ok, go. Là, on a... Là, on est un peu à poil quand même. Hein. On est un peu à poil. Et on est un peu à poil et il fait à peine moins 11. Pas énorme, hein, j'ai envie de dire. On est bon ou pas? Ah, c'est stylé, Blackrock. 46, merde. On a fait les allers-retours. Je veux reprendre ma bouteille d'eau. Voilà, on est bon.
Oui. Ah, très bien. On est retombé à 56, qui est très bien. Ah merde, il y a du brouillard. Ce que je voudrais un peu dessiner en fait. On peut dessiner ou pas? Ouais, non, merde. J'y ai pensé trop tard en fait. Dès que j'ai vu qu'on avait le... genre qu'on n'avait pas froid, j'aurais dû directement dessiner. En fait pas mal du loup. Après j'ai vu aucun genre lapin, cerf et tout autour de la prison. Enfin après on n'a pas trop fouillé autour de la prison non plus. Mais sans la cuisine niveau 5 on aurait eu du mal hein, pour la nourriture. On aurait vraiment eu du mal. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas créer de raccourcis. Ça m'embête. C'est à chaque fois un labyrinthe en fait. Pour aller d'un endroit à l'autre. Ça, c'est vraiment agaçant. Ça, c'est un peu embêtant. Corbeau maintenant. Ah, on va mal dormir hein, avec tous ces piafs. On commence à être fatigué. On a bien fait de pas prendre le sac de couchage, hein, putain. On va bientôt faire nuit. On peut encore se balader. Ce qu'on peut faire à la limite. Alors, au lieu de se balader, faire du faire de la viande. Au moins aller découper la viande vu qu'il fait pas trop froid. Comme ça la viande ça sera déjà fait. Je pense que c'est une bonne idée. Attendez. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Genre c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et après il y a l'autre de l'autre côté aussi qu'on peut faire. Alors, pour le moment, ça va être notre coin ici. Ah oui, il y a la peau du loup. Il y a les boyaux aussi. On n'avait pas des boyaux? Faudrait les... Faudrait tout mettre à l'intérieur. Bref. Posons les choses. Cela, l'autre, elle va nous péter un câble avec tout le poids. Hop. Recycler. Parce que la viande, ça part vite, hein. Surtout quand, comme j'ai dit, on doit se maintenir en positif pour nous. Pourquoi je suis aussi lourd? On a ça. Pour l'instant, on va en faire un camp parce que celui-là, ici, on va dire que c'est à l'abri. On a un établi. On peut faire du feu. C'est bien positionné aussi parce qu'il y a la sortie là et après on peut revenir à l'intérieur. Donc pour le moment c'est un peu un camp.
C'est un peu un bon camp en fait. On va ravitailler avec la petite bouteille. Très bien. Donc ouais, pour le moment c'est un très bon camp en fait cet endroit. On peut mettre des trucs là en fait aussi. Bon, on va garder ça là pour le moment. Désolé, hein, je fais un peu le... Je fais comme si c'était chez moi. Ok. Vu que c'est un peu chez moi. On mangera ça après. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est lourd? Ah oui, on a plein de médicaments. Plein de petits médicaments. Je prends un peu le temps de qu'on se vide hein, les poches. Hein, parce que là, on a trop de choses en fait. On est toujours à 46. Ça sert à rien. Ah mon dieu, ces corbeaux, ils vont me rendre fou. Maintenant, faut faire attention de pas les laisser à côté du feu aussi, parce que sinon ça brûle. Ça c'est con, hein, parce qu'avant on pouvait les laisser genre à côté du feu, à chaque fois qu'on faisait du feu, on pouvait les chauffer. Maintenant il chauffe, mais après il brûle aussi. Donc c'est un peu emmerdant. Ah, c'est parce qu'elle est fatiguée aussi. Ok, on va y aller avant que... Ah, attendez. Voilà. On va y aller. Donc il fasse trop froid. On est bon en... On a peut-être un peu coulé. Ok. Une heure, ça va. Très bien. Il y a un truc que je voudrais faire. Mettre, vu que on peut pas trop... Enfin, j'ai pas envie de me déplacer trop loin. Autant faire ça. Voilà. Hein? Autant, pourquoi pas, hein? Autant le faire, hein? Autant le faire, comme ça. On va pouvoir faire sécher les boyaux et tout ça. Pas très loin de notre petit camp, là. Là, il y a ça. Là, il n'y a plus de viande. Ok, on est bon. Là, il n'y a plus de viande. Je suis en train de me dire... Elle va être fatiguée, hein, mais bon. On y va. De toute façon, on a toujours notre arc et tout. Genre, par exemple, pour là, ouais, il faudrait prendre... Enfin, non, là, on va... C'est embêtant, parce qu'en fait, il faudrait tout avoir sur nous pour tout faire quand on veut. Parce que là, en fait, dans la logique des choses, on va pas loin. Donc, on n'a pas besoin de, genre, de porter notre maison sur le dos. Mais, on va devoir rester, genre, au moins une heure à tout découper la viande. Ah, donc, on va devoir rester à l'extérieur. Donc, le gilet pare-balles, ça va pas nous être utile. Parce qu'on va pas combattre. Il faut qu'on se tienne chaud.
Donc du coup, là, il faut les vêtements lourds. Enfin voilà, vous voyez, c'est... On peut pas passer par là. Hein. Vous voyez, à chaque fois, c'est... Il faudrait tout avoir tout le temps, en fait. Pour être le plus efficace possible. J'espère que je vais pas avoir une... On va peut-être utiliser le couteau. J'ai peur d'avoir une tempête en fait qui se lève sur moi. Ok. 50 kilos. Ouais, ça va, on va rentrer. J'ai pas trop envie. Je voulais. Je dirais pas non pour prendre la peau et les boyaux et tout ça, mais on a déjà 3 loups à dépecer où on est. Donc bon. Je crois que ça va être presque la fin de notre épisode. Comme j'ai dit, je vais faire un peu plus attention. Pour pas qu'on soit... Pour qu'on fasse des épisodes trop longs. Je pense qu'on a fini avec cet endroit. Genre, ce côté-là, en fait, de la prison. Je pense qu'on a fini. On a récupéré le gilet pare-balles et tout. On a... Je pense que c'était l'objet unique et le plus intéressant. Je sais pas s'il y a autre chose en fait. Par contre, je sais pas s'il y a autre chose. Je sais que normalement on peut faire des nouvelles bombes ou des trucs comme ça. Et il faudrait aller dans un des ateliers là pour genre créer les munitions et tout ça. Je sais qu'il y a ça. Mais je sais pas où il est là, hein, mais je sais qu'il y a, il y a cette nouveauté, donc faudra en trouver un. Mais... Ouais, je pense que ce côté-là, on est bon, donc à la limite, on pourra bouger. On peut bouger, en fait. Mais où ? C'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de viande en plus? Ça, on n'a pas vraiment besoin, honnêtement. On n'a pas beaucoup de bois. On va manger ça. Ce qui m'embête, c'est de fait de pas avoir de faitout, là. C'est ça qui m'embête, en fait. À chaque fois. Boyau... Les boyaux, c'est important parce que ça nous permet de faire... Attends, ok, tu les poses automatiquement. Ça nous permet de faire de la ficelle pour pêcher ou pour accommoder tout ça. Donc honnêtement, mettre les boyaux à sécher, c'est plus important que mettre la peau. Surtout que nous, on n'a rien en peau de loup. On a strictement rien, c'est que en peau d'ours. Donc bon... C'est plus compliqué à réparer, mais bon, ça tient beaucoup mieux. Hop. Après, on peut utiliser la scie, mais j'ai pas de... Non, non, on va continuer le couteau. On pourrait faire la scie, c'est un peu plus long, mais ça permet de... De garder couteau et hachette en bon état. Hmm. On a une aurore boréale. On a une aurore boréale, non. On a une aurore boréale, mais on est fatigué. Je pense que ça doit être là. On dirait que... Ok. Elle s'est levée un peu d'un coup, l'aurore boréale. Je crois qu'elle venait juste de commencer en fait. Et là, elle s'est vraiment énervée. Ouais, tout est allumé maintenant.
ça m'emmerde parce qu'on est vraiment... Ouais, on est fatigué. Vous savez quoi, on va dormir genre peut-être 5 heures à peine. Comme ça, il fera encore nuit. Ah ouais, c'est la... Ah, c'est la galère, là. Comme ça, il fera encore nuit. Et je crois qu'on va aller visiter vite fait. Genre, on va un peu se balader droite-gauche. Attends, on peut complètement casser la fenêtre, en fait. Et rentrer par la fenêtre. Ouais, je crois qu'on va faire ça. On va essayer de voir si on a encore l'aurore boréale quand on se réveillera. Il fait froid ou pas? 0, bon, ça va. Tout ça là, on est bon, on est bon. Ah, on en a encore pas mal de la viande en fait. Très bien. Ok, on va dormir, ce sera la fin de notre épisode. Et quand on se réveillera pour le prochain épisode, on va voir si on a encore un peu d'aurore boréale. Si on en a encore un peu, on va se balader. On va voir s'il y a des choses qui s'allument, qu'on peut... Genre interagir. Je pense que la chose qu'on peut interagir avec, c'est ça, c'est le panneau en fait, où il faut le code. Mais on n'a pas encore le code. Donc le code, on le récupérera plus tard. C'est dans la mine, il faut aller dans une mine, on l'avait lu sur un message. Donc ouais, on va faire ça pour le moment. On va dormir 6 heures. À la prochaine, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé, ciao ciao.